Museu da Batalha da Normandia. Lança-chamas. Lança-chamas britânico. Modelo Mark 7. O ano de construção dele foi em 1943. Foi criado. Foi construído 800 exemplares do mesmo tanque. Então ele tem capacidade para 5 homens. No caso tem o chefe do tanque, o atirador, o carregador, o piloto e o copiloto. Tem uma velocidade de 30 km por hora em média. Autonomia de 260 km sobre a rota. Sobre a rua. Tava bem. Churchill Crocodile. Esse já é um destroyer M10. É um caçador de tanques americanos. Criado em 1942. Pelo exército americano. Destroyer. Vamos ver se dá pra bater outros tanques. M10. Tem um canhão de 76 mm. Já tem as duas metralhadoras ali. Esse é um tanque alemão. Não sei falar alemão, mas é Jagdpanzer 38. É um caçador de tanques também. Setenta e cinco mm. Um canhão. Que não, pero que será um tanque para montar com pica. Gonzalo. Gonzalo. Esse aqui é um canhão. Canhão duplo. Alemão SKC-33. Ele tem um calibre de 105 mm. Destinado a completar ou substituir os canhões de 88 mm, construído em 1933 como arma aérea, né? Um canhão antiaéreo. Thank you.
Thank you.
The last English movie will be starting in a few minutes. À l'est sur trois plages. Bradley comme Kelsey sont sous les ordres de Montgomery. Lui-même directement responsable devant Eisenhower, le commandant suprême. Contrairement à ce qu'avait prédit la propagande allemande le soir du 6 juin, les Alliés n'ont pas été rejetés à la mer, et une semaine plus tard, après la capture de 40 ans, les cinq plages sont reliées entre elles et constituent une bande d'un seul tenant, longue de 100 km entre Quinéville et l'embouchure de l'Orne. Le 14 juin, le général de Gaulle débarque dans le secteur d'assaut britannique et se rend à Bayeux, première ville de France libérée, où l'acclame une foule nombreuse. N'ayant pu prendre Caen par un assaut frontal le soir du 6 juin, Montgomery prépare dans les jours suivants une offensive visant à déborder la capitale bannormande par le sud au moyen d'une double poussée accompagnée du largage d'une division aéroportée dans le secteur d'Évrecy. Ce plan audacieux ne connaîtra qu'un timide début de réalisation en raison de la résistance acharnée des Allemands et de l'impossibilité pour les Britanniques de se maintenir sur les hauteurs de Villers-Bocage. Ces menaces de débordement ont mis les Allemands en alerte, et pour contrecarrer toute tentative de percée en direction de Paris, Rommel rassemble autour de Caen ses divisions de panzers.
Cette tendance à considérer le secteur d'assaut britannique comme le front principal facilitera les manœuvres de l'armée américaine déployées à l'autre extrémité du front. Une fois le débarquement réussi, la mission confiée à la première armée de l'US, celle de Bradley, consiste à couper la presqu'île du Cotentin en deux, à capturer le port de Cherbourg, puis à redescendre ensuite pour effectuer la grande percée vers le sud en direction d'Avranches. Après avoir libéré le 18 juin Barneville Carteret sur la côte ouest du Cotentin, les troupes du général Collins remontent vers Cherbourg. Soutenues par l'aviation et par une flotte de guerre croisant au large, elles s'emparent de la ville, capturent le général von Schlieben, le commandant de la forteresse, ainsi que des milliers de prisonniers. Première grande victoire américaine sur le continent, la libération de Cherbourg, dont le port est totalement détruit, aura un retentissement mondial. Sur place, elle donnera lieu à des cérémonies patriotiques franco-américaines, ainsi qu'à plusieurs défilés et parades militaires au milieu d'une foule en liesse. Alors que les Américains marchaient vers Cherbourg, Montgomery est averti par les services secrets alliés chargés de déchiffrer les messages radio allemands, ainsi que par les agents de la résistance française, que quatre divisions blindées SS se dirigent vers le front normand. Provenant de Pologne et de France, ces renforts doivent constituer la force de frappe réclamée par Rommel à Hitler pour mener une contre-attaque dans le secteur de Bayeux. Face à cette redoutable menace, Montgomery prépare une offensive baptisée Epsom, destinée à capturer Caen en débordant la ville sur ses deux flancs. L'objectif de l'opération, à vrai dire, la première grande attaque après l'échec du raid sur Villers-Bocage le 13 juin, est de percer les défenses allemandes à l'ouest de Caen, de franchir la vallée de l'Odon et de s'emparer de la côte 112, but situé entre Odon et Orne. À partir de la tête de pont de l'Odon, les chars doivent traverser l'Orne, puis poursuivre leur chevauchée jusqu'à la grande route menant à Falaise. Pendant ce temps, un corps d'armée parti du Saillant, situé à l'est de l'Orne, achèvera l'enveloppement de la capitale bas-normande. Le 26 juin, jour où les Américains s'emparent de Cherbourg, une armée composée de 60 000 soldats soutenue par 600 chars engage, sous la pluie, dans le secteur de Cheux, la rude bataille de l'Odon. Progressés de quelques kilomètres, les assaillants se heurtent à une résistance allemande féroce. Il s'ensuit des combats d'une violence inouïe dans les droites vallées de l'Odon, ainsi que sur la côte 112, conquise avec l'aide des chars Slaves. Le 30 juin, après avoir abandonné la butte des Voici, Montgomery met un terme à cette coûteuse opération. La bataille n'a pas atteint ses objectifs, mais en prenant l'initiative, Montgomery a contraint Rommel à renoncer à sa contre-attaque. À la fin du mois de juin, à J+24, la situation des Alliés dans la tête de pont est plutôt satisfaisante, et rien ne permet de douter de la victoire finale. L'US Navy a entrepris le déminage du port de Cherbourg. Le Mulberry, la Romanche, malgré la grande tempête, est en cours de montage. Près d'une vingtaine d'aérodromes sont en activité. La menace d'une contre-attaque semble pour le moment écartée, et la résistance française, sortant de l'ombre, avec la présence des armées de libération, soutient activement l'effort des Alliés. Les seuls points noirs demeurent la ville de Caen, encore tenue par les Allemands. L'exiguïté et l'encombrement de la tête de pont, surtout dans le secteur britannique, et l'impossibilité pour la Royal Air Force de
peut disposer de la vaste plaine qui s'étend au sud de Caen, si propice à l'installation de grands aérodromes. Après un mois de juin encourageant, le plan Overlord prévoyait qu'après la capture de Cherbourg, la première armée américaine engage dans le Cotentin une offensive de rupture en direction d'Avranches, pendant qu'à l'autre bout du front, les Britanniques, en exerçant une forte poussée sur Caen, se chargeraient d'occuper les divisions de Panzer. Après avoir franchi les prairies marécageuses du centre du Cotentin, les Américains pénètrent dans le bocage, où les attendent, dissimulés dans les chemins creux ou derrière les haies et les talus, grenadiers et parachutistes allemands, prêts à ne céder aucun pouce de terrain. Dans ce paysage touffu, propice à la guérilla, où l'horizon est barré par des obstacles naturels, la première armée, menant à l'instar des tranchées de 14-18, une guerre d'usure, va connaître un vrai calvaire et enregistrer ses taux de perte les plus élevés de toute sa campagne en Europe, pour des gains territoriaux négligeables. La seule avancée notable au cours de ces semaines de découragement est la prise de Saint-Lô. Bombardée à différentes reprises, la petite cité provinciale, d'où rayonnent plusieurs grandes routes vers le sud, n'est plus, lors de l'entrée des libérateurs, qu'un champ de ruines. Pendant que les Américains piétinent dans le bocage, la 2e armée britannique lance une attaque sur Caen, qui aboutit à la capture partielle de l'aérodrome de Carpiquet par les Canadiens et de la moitié ouest de la ville de Caen, à la suite d'un pilonnage aérien de la cité le 7 juillet au soir. Avec ce déluge de feu, disparaît le vieux Caen et la plupart de ses monuments. Pourtant, malgré cette libération-destruction, les sinistrés, ici comme ailleurs, accueilleront leur libérateur sans montrer de ressentiment. Vers la mi-juillet, l'évolution de la situation sur le front de Normandie ne cesse de préoccuper Eisenhower. Il est vrai que l'offensive de rupture déclenchée par Bradley est en train de s'enliser. Caen, 40 jours après le débarquement, est encore en partie aux mains de l'ennemi. Les opérations de déblaiement du port de Cherbourg sont plus longues qu'escomptées. Les chars Sherman, même s'ils sont plus nombreux, sont inférieurs aux Panthères et aux Tigres, alors que d'importants renforts allemands, provenant du sud de la France, s'approchent du front normand. Face à ce bilan inquiétant, Eisenhower, appuyé par Churchill, fait alors pression sur Montgomery pour qu'il accélère les opérations. Il fait valoir que les Alliés disposent, avec plus d'un million d'hommes dans la tête de pont, d'une supériorité numérique, ainsi que d'une supériorité dans le domaine aérien, dans le nombre de chars et dans la puissance de feu. L'équilibre des forces étant rompu, il est temps de frapper un grand coup, de sortir de la tête de pont et de reprendre la guerre de mouvement dans laquelle les Alliés pourront mettre en œuvre leurs atouts. En réponse à la demande d'Eisenhower, deux projets d'offensive voient le jour à peu près en même temps. Préparé par le général Dempsey, le commandant de la 2e armée, l'offensive britannique, portant le nom de Goodwood, prévoit de percer le front à l'est de Caen et de foncer en direction de Falaise. Dempsey, ayant ainsi donné un dos à ronger aux Allemands sur le flanc est, Bradley pourra engager son offensive sur le flanc opposé, sans avoir à craindre d'arriver de renfort d'un des ennemis. Baptisée Cobra, l'opération américaine prévoit d'anéantir par un bombardement aérien massif
les défenses allemandes, sur un petit secteur du front, le long de la route laissée derrière Saint-Lô, et de se rouler dans la brèche ainsi ouverte. Le 18 juillet est déclenché le plan Goodwood. Cette attaque, la plus importante de toutes les opérations alliées en Normandie, met en branle des forces gigantesques. 4000 chasseurs et bombardiers lourds, chargés d'ouvrir la brèche dans les défenses ennemies. 1000 chars et autant de canons. Et la vaillance de soldats britanniques, le commandant allemand, qui a anticipé l'attaque grâce aux défenses aériennes, fait preuve d'une résistance acharnée. Il met rapidement un terme à l'avance de la 2e armée, avec ses chars et ses fameuses batteries de canons de 88 mm qui vont détruire en 3 jours plus de 400 chars britanniques. La campagne de Normandie et de France a seulement permis de libérer entièrement Caen et de repousser le front dans ce secteur d'une dizaine de kilomètres. Quant à Falaise, elle est toujours éloignée d'une trentaine de kilomètres et la plaine au sud de Caen demeure toujours interdite. Toutefois, par la violence de son attaque, Montgomery a attiré 7 divisions de Panzer sur les 9 présentes en Normandie, autour de la capitale de la Normandie. Ce déséquilibre dans la répartition des forces ne peut que favoriser les Américains, lorsque le 25 juillet, ils déclenchent Cobra dans le secteur de Saint-Lô. Conçu sur le même modèle que Goodwood, Cobra débute par un bombardement aérien massif, chargé de créer une trouée dans laquelle vont s'engouffrer unités blindées et divisions d'infanterie. Et c'est le miracle de la percée. La ville de Coutances est libérée le 28 juillet. Puis c'est au tour de Granville, Avranches et Pontaubeau 3 jours plus tard. De l'enfer de la guerre des haies et d'une menace d'enlisement dans le bocage à une brillante guerre de mouvement avec progression rapide des formations blindées soutenues par l'aviation et déplacement rapide du front. Retrouvant ses atouts, l'armée américaine fait entrer la bataille de Normandie dans sa phase finale. De son côté, après l'échec de Goodwood, Montgomery ordonne à la 2e armée de s'emparer des collines de Normandie dans le cadre du plan Blue Coat. Le 1er août, comme prévu, la 3e armée, celle de Patton, entre en scène et se rue à travers le corridor dégagé par la 1ère armée de Bradley. Après un manche, traversé en trombe, la 3e armée éclate dans plusieurs directions. Une partie vers la Bretagne, une autre vers la Loire, et la 3e vers l'est, en direction du Mans et de la Seine,
menaçant les arrières de la 7e armée. Face à ce péril, Van Kluge, successeur de Rommel, préconise un repli des forces engagées en Normandie, derrière la Seine. Ce n'est pas l'avis de Hitler, qui ordonne de préparer une contre-offensive en direction de Mortain et d'Avranches, en vue d'isoler l'armée de Patton et de l'anéantir après l'avoir coupée de ses arrières. La première grande contre-attaque allemande depuis le 6 juin, mais aussi la dernière, est déclenchée depuis Berlin, le 7 août. Après quelques succès initiaux, l'offensive est rapidement clouée sur place par l'intervention massive des chasseurs bombardiers. En avançant imprudemment ses forces vers la baie du Mont-Saint-Michel, Hitler va fournir aux Alliés l'occasion de piéger sa 7e armée. La manœuvre d'encerclement débute le 10 août, avec l'ordre donné à Patton de remonter ses troupes du Mans en direction d'Alençon, afin de constituer la mâchoire sud d'une gigantesque tenaille. La première armée canadienne et la seconde armée britannique étant chargées de tenir la mâchoire nord. Dès le 12 août, des éléments de la 3e armée US, accompagnés de la 2e division blindée française, cantonnent aux portes d'Argentan, point de rencontre entre les armées alliées fixées par Montgomery. À cette date, les Canadiens, renforcés par la 1ère division blindée polonaise, combattent encore durement dans les environs de Falaise. Il leur faudra une semaine pour franchir les 30 km qui les séparent d'Argentan et procéder avec les Américains à la fermeture définitive de la poche dans le secteur de Chambois-Train le 21 août. Pendant cette semaine d'attente et de mésentente entre les Alliés, des dizaines de milliers de soldats allemands réussiront à s'échapper par les trois goulots de la bouteille et à gagner les rives de la Seine. Malgré cette déception, les Alliés peuvent être fiers en cette fin du mois d'août 1944. Après 80 jours de durs combats, ils viennent de remporter l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle l'ennemi a perdu 400 000 hommes et presque tout son matériel, contre 200 000 pour les Alliés, dont 37 000 morts. Avec l'achèvement des combats en Normandie, s'ouvrait le chemin vers l'Allemagne. Aujourd'hui, Bayeux, cité médiévale, miraculeusement préservée au lendemain du débarquement, entend par son mémorial conserver et honorer la mémoire de ceux qui sont tombés au cours des dures semaines d'une bataille décisive, devant conduire à la libération du territoire national. Le cimetière militaire de Bayeux, site majeur de recueillement à son immédiate proximité, nous rappelle, à travers ses 5000 tombes, l'ampleur du sacrifice consenti par ses descendants de Guillaume, revenu comme libérateur en terre normande après plus de 8 siècles. Que leur souvenir en soit éternellement célébré.
Merci. Ladies and gentlemen, the museum will be closing in 10 minutes. I repeat, the museum will be closing in 10 minutes. Thank you.